Yop les pilotes, bienvenue à Braine-le-Comte pour la deuxième matinale de la saison avec Braine en ancienne. On est chez Mustang & Co aujourd'hui. Du coup, il y a des voitures américaines, comme vous le voyez. On va rejoindre la voiture et on va partir pour cette matinale de la semaine. C'est parti. C'est à droite alors? Oui, à droite, oui. On est parti pour 200 mètres. Allez, c'est parti. Yahoo, le téléphone qui fout le camp. Le mien, si tu sais me ramasser avant qu'il arrive dans mes pieds. J'ai dit où ce qu'il est, moi. Je pense pas qu'il est parti aussi loin. Ça va, joli. Il est dans le rail du siège. Donne-le-moi, mais... Si tu vois que la balise réagit, on suit la route ou à comment? 200 mètres, il fallait tourner à droite. Donc c'est là. Oui. Tu as vu le tourner? Bah non, mais on a 200 mètres. Non, c'est là. Non, il a pris de l'avance. Moi, j'ai pris doucement la sortie de parking. Moi, je l'ai pas vu. Après? Ben, on doit arriver à un feu rouge. Je savais que c'était pas ça. Il y avait un feu, hein. Regarde. C'était à gauche alors. Ah, mais si tu me dis à droite. Ben, il fallait prendre à droite à 200 mètres. Demi-tour. Ben, c'est pas à droite, c'est à gauche. Ah oui. Oui, à 200 mètres, il fallait prendre la gauche au feu. Si tu me dis à droite, moi je vais à droite. On va laisser passer la Kia. Oui, c'est moi qui... On est toujours pas démarré. On va le mettre là. Et le feu, là, c'était là, mais bon. Ah bah, tu peux y aller. Quoi comme moto, ça? C'est la Tunis? Non, ça, c'est une Allegro. Et quelle marque, une Allegro? Ben, il y a une mini Allegro. Ah, une Austin. Il a la plaque de l'année dernière, lui. Il arrive seulement. 5.6. Oh, la caméra qui fout le cœur. Non, j'espère qu'on est dans le bon passage, parce que je sais pas où on est. Moi, je suis à 9,5 km, donc fais tes calculs case par case. Et on verra. Parce qu'ici, on n'a pas suivi les autres et moi je n'ai pas suivi le plan. Je pense pas qu'il y ait eu des carrefours. Mais il y avait quelque chose à gauche parce que je vois la femme qui est arrêtée là et. Il y avait quelque chose à gauche? Il me semblait qu'avant il y avait quelque chose. Je pense pas. Mais calcule vite parce que plus tu vas attendre pour calculer et plus on va être perdu. Hein. Moi j'essaie de voir pour rattraper un peu les autres. Je vais jusqu'au 4 chemins et on verra la passe. Ça va, j'ai encore. Je crois que je viens de voir l'arceau de Pascal devant. C'est à droite. À 10 km3, il y a un 4 chemins, on va à droite. Grand Place, Eco Singer, Hall Polyvalent, déviation, mais on ne suit pas. Soigny. Et on suit Soigny, Braine-le-Comte. Accotement non stabilisé, je sais pas si t'as ça. Oui, t'es à combien toi? Je suis à 10.4. On est déjà loin. 8.6 et 1700, ça fait 9, ça fait 10. 10.3. 10.3, ça fait 18. On va arriver sur un Y, chemin des 7 douleurs. C'est ça. Et on va à gauche, si les autres ne se trompent pas. Oui. On a retrouvé nos pattes. Voilà, on a 18. À 19. On sent, ça fait 14,7. Et on est à droite. Ça ferait une belle petite étape de rallye ici. Je pense que les riverains seraient emmerdés par contre. Surtout que je suis pas sûr que les riverains de la région soient très fans de rallye, mais. C'est vrai, c'est un... Ouais, il y a un rallye par an. C'est quoi, c'est un RS ou c'est un rallye? La RS, je crois, non? Chemin de Naast. Ah, ouais, il y a les hésitations. Bombay. 15-3. Je suis à 15-3, mais c'est ça. Mais il y en a une plus loin aussi. T'as dit 350 mètres ou 300? 350. Route Bombay par endroit. Parce que c'est pas mais plutôt c'est un Y, hein. C'est l'autre. Ah non, c'est ça, c'est là. Hein. Ça, c'est pas un Y, c'est un quitté. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas Y. Ouais, alors, ouais, c'est là.
Il est parti. Il a continué. Moi, je crois que c'est là, Michel est parti là-bas, lui. Non, c'est pas là. C'est pas en arrière, alors. Non, parce ouais. Que regarde ici, il monte bien, tandis que sur le GPS, on voit que c'est un droit. Oui. Ouais. C'est une route bombée. Oh, mais l'autre est peut-être bombée aussi, c'est la même rue, c'est le chemin de Nast, les deux, donc petit chemin de Nast. Ouais. On a récupéré la Mustang et le, je pense, Bronco. C'est à gauche. Elle est déjà au courant. Mètres. C'est quoi qui suit? Ah, c'est une BM. Bah, j'avais vu des phares ronds de loin, mais j'avais dit ça. BM série 5. 5-18. Ça fait bizarre de se dire qu'ils ont mis des 1800 là-dedans. T'imagines un L8 atmosphérique essence dans une série 5 aujourd'hui? Ça ferait un veau. Bah, tu peux au moins... Là, le plus petit moteur sur la 500 maintenant, c'est le 20D. T'as pas plus petit. Mais t'as un turbo dessus quand même. Je sais pas si ici. T'as le temps de passer. Ouais. Vous décidez, c'est pour un 19-6. Il fait pas la balade lui. Non. Et il est juste. Il a vu des MX5, il klaxonne, enfin il fait des appels de phare. Je vois toujours pas Michel dans le rétro. Ah ben non. T'as toujours les mêmes voitures qui nous suivent. Ben oui, mais à moins de s'il a ce qu'il perdu et tant qu'il fasse demi-tour que ça rate compte. Ah ben bon, je vais pas vite. Je sais bien ça. Enfin après, il est peut-être pas pressé au volant non plus. Tu vois, qu'est-ce qu'il freine ici? Une Mustang. 34. Non, t'avais dit 34.3, c'est ça? 34.3, mais c'est tout droit. Et on devrait voir la pancarte carbone, ça va sans. Non, quand même, c'est marrant, le crissement de pneus, c'était comme dans les films. On n'a pas entendu. On aurait dit un crissement de pneus synthétique. Non, non, il a changé de bande pour se décaler. Quel gaz? 38. C'est écrit quoi là? Je sais pas. Hey, nouveau miel, printemps. Printemps, ouais. Carte la belle auto. La belle auto. Ouais. Toyota. Chemin, t'as où est-ce qu'on est? Je suis à 36.8. On était à 36.6 au carrefour d'avant, je crois. Combien? 36.6, quelque chose comme ça, au carrefour d'avant. Bah, c'est le carrefour où tu avais. 36.4 de ici. Ici, on va un petit peu en Y. Attends, on arrive là et deux chemins là. Rue Point du Jour. Non, moi, c'est rue Point du Jour, il est là. Où là? Ah oui, le panneau, oui. Le panneau, il n'est pas là? Non, le panneau, il est à la maison là. Attends, rue. Garde là où on était. Non, c'est par là. C'est par là, je crois. Oui, c'est ça. C'était tout droit. Attention. Faire comme ça, il n'y a pas de risque. Oui. Ah ben, laisse passer Michel, hein. Ah bon, on a retrouvé Michel, alors. Ouais. Bon, faut se méfier, parce que la voiture derrière, quand il freine, il n'y a pas d'ABS. Ben, je crois que c'est lui qui a... tout à l'heure. Ah, on tourne ici? Non, 4000 mètres. Je sais pas, ils sont tous arrêtés. Mais peut-être, ça, mais bon... Non, laissez passer, laissez passer. Laissez passer parce que si... parce que sinon, on va les avoir entre nous et Michel. Ce qu'il faudrait, c'est quasiment c'est s'arrêter et...
toute façon, on est parti pour 4000 mètres. Il n'y a que le Jeep Rocky à laisser passer, je pense. Mais oui, je sais bien, mais... C'est pas un Jeep Rocky, c'est un Daihatsu, pardon. Tu tournes déjà, eux Ben, je ne sais pas. Grandement, c'était pas... Enfin, c'est toujours tout droit, normalement, jusqu'à Bois de Blessé. T'es sûr que c'est 4 km hein? Ben oui, 4 km. À midi, il y en a un qu'on aura vu, peut-être, je sais pas. Ils ont vu une station-service, ils se sont dit, il me faut faire le plein. Je sais pas, je pense qu'il va. V8 Inside. Là, c'est la balle bleue, t'as des billes ici, et puis ici, il y avait un café. Il y a deux chemins par contre, c'est lequel? Bois de laisser une trois là. Là-bas. Je suis à 0.9 du coup. Oui, mais c'est rien de 0.9. Il y a un café là, non? Où ça? Non, ça a l'air d'être fermé. Ouais. Non, allez, regarde. Mmh. C'est une DRF. Pour moi, c'est Ceramic White ça. Là, le château. Château de... Ah ouais, le panneau qui est un petit peu... L'Estriverie. Bah, écris déjà ça, l'Estriverie, là. Mais c'est mis là. Ah, c'est mis sur le panneau. Bah, c'est pas le... c'est peut-être le propriétaire, là. Le château de qui? Le château de l'Estriverie. Bon, bah, je me garer derrière... c'est quoi, c'est ma face, ça? Attention, il y a des grands trous. Bah, si je suis de part et d'autre du trou, normalement, je devrais pas tomber dedans. Bon, maintenant, il faut voir où est la question. Allez. À quelle famille appartient le château actuellement? Hop là. Un peu humide. Oui. On va faire un grand pas comme ça, je fais un petit de boum. La vita è bella. Et que j'ai déjà trois fois sur le bord du trou là. Tu risques ta vie, hein? Qu'est-ce que mon vie? De Yves, nous, c'est bien dans la famille. C'est ça, le rire. C'est quoi? Bon, ouais. C'est un jour, on a raté le premier, alors il n'y a pas beaucoup de tracas. Oh! Corona au frit! Qu'est-ce qu'il a, lui? Tac, c'est bien quand t'as une caméra avec des nouveaux boutons, ça marche tout seul. 58.2 qu'on est. 58.1. On est parti pour 900 mètres. Il y en a qui arrivent derrière. Mais c'est sûr, parce que c'est un cycliste, hein, il va couper pas flamand. Hein. On est en Flandre ici, juste. Ben, je sais pas. J'ai pas l'impression. Hein. 58.1, ça fait 59. Ah bah voilà, je suis à 0.2 maintenant, mais à hauteur du panneau j'étais bon. C'est chez nous qu'on croise là, non? Je sais pas. Et puis on fait 50 mètres et on va à droite. Et il y a un panneau interdiction, peut-être 7,5 tonnes. Ça doit passer, non? Ah mais j'attends que tout le monde soit là. On avait perdu Pascal. J'ai pas compris pourquoi est-ce que le dernier cycliste qui a dépassé là, il gueulait Godverdomme. Eh oui. On gênait pas, on était sur le bas-côté. Mais c'est parce qu'on le gêne. Bah ben, on le gêne, il roule sur le bas-côté d'habitude. À mon idée, il a entendu qu'on parlait français. Ça parlait pas que français. Hein. L'Alpha Speeder qui était devant nous, il parlait italien quand ils sont remontés dedans. Avec une autre dame qui était à côté, il parlait italien. On est peut-être du côté flamand. Bah, c'est écrit que en français sur le panneau au château. Ce serait côté flamand, ce serait mis dans les deux langues ou que en flamand, mais ça serait pas mis que en français en tout cas.
Moi, pour moi, on est limite, mais côté wallon. C'est bien à gauche, hein. Oui, oui. On peut faire confiance aux autres. Oui, oui. Ici, c'est quoi? 60,9. Alors, je me sens bien. 100 mètres. À mon avis, elle boit autant d'huile que d'essence. Oui, c'est ça. C'est un moteur 2 temps. Il n'y a pas que les Rotary, hein. Ouais, la 850 sur l'autoroute, on va avoir du plaisir. Heureusement que c'est léger. 429 Ça a quand même une drôle de tête, hein, le devant du 850. Ouais. Michel en avait vendu une à l'époque. La guêpe, là, ça ne me dérangerait pas qu'elle dégage. Elle est partie, non? Je sais pas. Parce que, oui. La voit plus. Combien de mètres sur l'autoroute? Je suis à 62,5 là. Pour info. 7,1 km. Petit rue. Gros rue. PM en panne. Oh, GTA, c'est un bousseau sous le capot. Le fameux V6 bousseau. T'as un beau bruit. N'oubliez pas la gauche, c'est trop de monde d'arriver. Non. Est-ce qu'ils sont les autres? Là. Il y a trois places, ouais. Je peux passer à côté de la Porsche, j'arrivais. Ah oui, il est un petit peu décentré. Là. Et voilà qui clôture cette nouvelle matinale en compagnie de Bren en ancienne. Tout s'est très bien passé pour nous. Entouré de ces belles américaines, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine balade. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.